Salutations YouTube, toujours dans la découverte, mais très lente, de repentance, vu qu'on recommence depuis le début. On vient de débloquer Lilith. On va faire une partie en hard avec elle. Lilith. Elle a toujours sa boîte, donc je commence avec l'excellent Incubus. Sauf qu'avec Lilith, oui, c'est seulement Incubus qui fait les dégâts, vu que Lilith a pas de yeux, pas de larmes. J'ai la boîte qui permet de doubler les familiers. Donc ça peut snowball, comme ça peut être très chiant. Évidemment, Incubus prend toutes les upgrades de l'arme qu'on trouvera. Bon, c'est un peu particulier de viser avec, du coup. C'est quand même Lilith qui prend le focus. C'est un cauchemar, ça. C'est un coach, mais ici, on joue tout. Bien, coach. Par contre, regardez, l'avantage non négligeable, c'est qu'elles ont énormément de hauteur, donc elles passent au-dessus des obstacles. La carbatterie, oh là là, je l'aurais jamais. La carbatterie qui m'aurait permis d'avoir double utilisation de la boîte. Complètement broken, ça. Ah ouais, ouais, ça aurait été incroyable. Mais Regardez ça, on s'éclate pas là? Elle est pas belle la vie? C'est Aurélion seul, un peu. Oui, c'est vrai qu'il tire en diagonale. Reconcentrons-nous. Petit décalage furtif là. Je kiffe, hein. La grande salle d'abord, parce que si elle est cauchemardesque. Voilà. Attendez, il fait quoi déjà le magnet broken? Il attire juste les pièces, c'est ça? Ça doit être ça. On va dropper des bombes avec le matchstick. Incroyable build, hein. Ok. On est joueur. Surtout que ouais, la secret est sûrement sur ma gauche là. C'est bien de dropper de la bombe. Oh oui, ça serait d'autant mieux. Oh oui, attendez, regardez. Vous avez vu? Grâce à ce build. Ça y est, c'est la panique.
Le voyage est de mise. Non, pas les mouches vertes. On match up. Voilà. Terrible. Plus qu'un demi-cœur noir, c'est la merde. J'espérais un cœur bleu. On va faire le rocher marqué tout de suite. Ok. Que le Devil Deal va être important là. Il faut un petit miracle pour que ce build devienne jouable. Vous allez voir, hein, le Orbital Tears là, quand on aura la full synergie, vous vous direz, putain, il a eu raison. Quand au bout de 2h30, on aura un build. Insane, en vrai. Ok. Ah, encore ? Vas-y, le matchstick là, faut me dropper une bombe là. Dommage, elle est où ma bombe là? Pourquoi j'ai double trinket? Ah, Belly Button sert à double trinket aussi. De la range. Alors attention, plus j'aurai de range avec Orbital Tears, plus je pourrai pas toucher au corps à corps. C'est d'accord. C'est nul. Genre c'est vraiment un scandale quoi. Je peux prendre l'argent, mais qu'est-ce qu'il y avait au shop? Ouais bah non. Il y avait que des space bars. Je peux aller, voilà, je peux donner à la donation machine. J'aurais vraiment pas de bombe quoi, ma vie pue le sexe. Quoique je pourrais garder mon argent et attendre le prochain shop si jamais il y a un truc vraiment fort. Seul souci c'est que si jamais, dans le très rare scénario, non j'ai quand même trouvé une donation machine d'ici la fin du run, faut pas déconner. Surtout sur les shops de première génération, c'est quasi sûr. La challenge room c'est pas possible maintenant parce qu'il faut un cœur tout court. Très rare de l'avoir hein. Kavixel, non mais sérieux le jeu me déteste. Non. Surtout que j'ai plus de range, au secours. Enfin j'ai plus de range. J'ai une range incroyable. Ok. Ah nice. La bombe. La bombe. Tout à l'heure qu'il me fallait ça quand il y avait le rocher marqué. Ok. Le matchstick, l'allumette qui décide enfin de fonctionner. Oh, à gauche, il y a peut-être moyen, non? D'avoir une secrète. Ah ouais, mais bon courage. Hein. Bon courage pour setup le kill de la mouche au bon moment, au bon endroit.
Regardez. C'est raté. Alors, on n'est pas bien là ? Avec ce petit build ? Et je me prends le hit, ah là là, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Et depuis quand il rush, ce connard ? Oh, le coach. C'est un rocher marqué ? Non. Ah non, ça, il pouvait pas avoir de secret room. Oh, ça va être long, ça. Ah non, il y a des strats, il y a des strats, il y a des strats. Ça serait le knockback, ça, donc. Est-ce que ça peut pas me jouer des tours ? Peut-être bien, hein. Ouais, non mais ça, ça a rien à voir, c'est eux. Oh, le gros knockback, ouais. Le problème c'est que si il se la prend côté intérieur, il va me revenir en pleine gueule. Je crois que le knockback c'est pas trop compatible avec mon build. D'autant plus que ça m'empêche peut-être de mettre des grosses patates, ouais. Enfin de mettre des combos de larmes. C'est un gros nom. Je perds de la vie. Au secours. Je pourrais utiliser ma bombe hein, pour me casser. Est-ce que ce serait pas un aveu de faible ? Au secours. Reste fort, je reste fort, j'utilise pas mon truc. Plus de cœur bleu. Ça se passe plutôt bien. Qu'est-ce que vous en pensez ?
quelle couche! Que des space bar items. Judgment. Le mendiant et le chariot. Ah ouais putain, je suis désolé, j'ai dormi 4 heures. Tout à fait, j'aurais pu avoir un bon objet avec le mendiant. Pas du tout en détresse. Franchement là, je pense qu'on va débloquer le vrai contenu de Repentance très bientôt là, à la vitesse à laquelle on va. Pas chiant.
Il faudra un cœur bleu au cas où il y a un devil deal. Les deux salles d'objets qui m'ont été inutiles, c'est fort. Hein. Je pense que je garde Yann Press pour un éventuel boss pire. Et j'irai prendre la batterie au shop avant le deuxième boss. Et derrière, on aura Krampus sur un Devil Deal à 11,5%. Genre, on sera ravis d'avoir un Devil Deal parce qu'on a que 11%, mais ce sera Krampus. C'est parfait, hein. Scénario parfait. Ah, mais c'est beau d'avoir joué Orbital Tease. Aucune panique. À aucun moment, je doute, là. 100% win. Vous avez une range incroyable. Ok. Qu'en vrai. Ah mais donc ouais, les, mes deux item rooms m'ont filé des objets space bar. Ma vie, ma vie pue la merde. Non mais, des fois faut savoir l'avouer. Hein. Parce que si j'ai deux salles, j'ai même pas besoin d'acheter la batterie. Au secours. Sérieusement? Allô? Ok. Ça recharge même pas mon objet, j'ai cru que dans ma bonne inspiration j'allais être récompensé. Ok. Vas-y. Pas si ça marche sur lui. Et c'est tout? Mais j'ai beaucoup trop de range là. À défaut d'avoir des dégâts. Ah. Vie plus sexe.
Oh non. Qui aurait cru que les mini-pins pouvaient être mon pire match-up? Et si. J'ai plus qu'un demi-cœur bleu. Gros Devil Deal à venir, hein, assurément. C'est imperdable. Ah mais j'ai le Dark Bum! Oui j'ai le Dark Bum qui a pop là! Alors peut-être. Aïe, aïe, c'est mort. Tout va bien. C'était worse. Toujours à 100% de Devil Deal, ça serait bien de pas se faire toucher ici. Bon, si c'est grid dans le shop, c'est la PLS. Hein. Oh, y a pas de cœur bleu. Ah vas-y. Ah mais lui en faut encore, là il a à peine mangé. Je peux pas acheter juste ça. Le problème c'est que les boss vont pas balancer de cœur en hard mode. Sinon essayer de bourrer le boss avec chariot, c'était pas si nul. Pas du film sur Amazon Prime, pas encore. Donc les gens s'installent confortablement, bien sûr. Alors c'est chiant parce que ceux du milieu là vont spawner en... vont hip-hop en squelette, non? Tant mieux. Oh, attention, attention aux traces de sang, voilà! Ok, si je me fais toucher, c'est fini. Y'a double Dark Bomb? Ah oui, bah oui, parce que Incubus, je suis con. Ah, parce que. La boîte à la con. Ok. Oh yes! On a conservé nos 100% de Devil Deal, ça c'est beau ça. Ok. Non, au secours, je déteste ça. 2 1 2 1 2.
enfin. C'est que rouge là, attendez, j'ai le Petrified Poop, vas-y là. ça va être drôle. ça va être très drôle. Alors, est-ce qu'on va le toucher? Mais quel connard! Il me file une pilule, mais quel fils de sa mère! X-lax. Mais attendez, c'est une blague? On va le toucher ou pas? Mais non, en fait! Peut-être obligé d'utiliser mon familier pour qu'il soit. Ah oui, c'est fait pour justement, ce genre de situation anxiogène où je peux pas gagner. D'accord. Ben c'est tout en fait. Alors Fallen, c'est des objets de Devil Deal, mais... Ça va être très dur, Fallen. Oh, Booger Tear, c'est incroyable. Et let's go, let's go, let's go. Le problème, c'est que voilà, là, il n'y a plus. Si! Oh, le Booger! Oh là là, le combo! Oh non, la récompense nulle. Ça pouvait être... C'était que des objets de Devil Deal. On pouvait avoir même Brimstone là-dessus. Ça fera un familier qui se double, mais quel ennui. Le PHD nul. Non, mais... Pff. Ça me faisait gagner des dégâts, mais ça me nerfait plein de stats. Le pH des maudits. S'il y avait des pilules qui pop, pourquoi pas, ça me fait... Ça nerf les pilules, mais ça me donne des dégâts up. Le problème, c'est que je peux pas me permettre d'avoir des speed down, par exemple, vous voyez. J'ai oublié que ça me donnait une pilule par défaut. Et je l'ai pas prise. J'en ai plein le huc. Oh, j'en ai plein le huc. C'était un bad trip. Bah le bad trip m'aurait donné un cœur noir. Donc ouais, c'était exactement Osef. La petite salle, non. Je pense que la petite salle avec ce build, c'est une mauvaise idée. Bon bah on va se casser, hein. Ça peut être en haut. Ça peut pas être à gauche. Y a un monde. Ah mais non, ça... si la Curse Room est une mini salle, en aucun cas il peut y avoir la Secret Room là, parce que ça peut pas être près d'une mini salle. Ok, je pense qu'elle est là, la Secret. Ouais. Probablement. Là ? En vrai, j'ai plus de machine de dons. Parce que ça donnait des cœurs bleus à l'époque, souvent, à l'utilisation, en plus de donner le mapping. Si je pouvais transporter deux objets, ce serait extraordinaire. Je pense que je suis obligé de garder cette merde pour mon DPS.
Ah, il y a une batterie au shop. Donc, elle est toujours là ? Non, pas du tout. Triste, triste, triste. Merci une Paraponera pour le Prime. Merci Lamplighter. Merci beaucoup. Merci pour vos resubs. Griffond, Ogo King, Subvocal Alchemy, Chaton Brutal, Lumanox, Origo. Merci Lothrin pour les 500 bitcoins. Merci Maxime qui a offert un sub aussi. Bon, c'est la merde. The Sun. Oh, le Death Touch. Allez, The Sun. Shop à droite, salle d'arcade, boss, item room. Shop, hein, je pense c'est cool. Oh, c'est chiant. Ok. J'ai pas peur. Approchez-vous, bordel. Il y a le verre explosif. C'est pas grave, il en reste qu'un. J'ai pas envie de claquer une clé. Oh, magnifique, c'est le lait d'amande, ça. Oh, le Death Touch. C'est marrant, avec ce build, dès qu'il y a un obstacle, en fait, il se dit au bout d'un certain timer, on va lui donner la victoire parce que ça se trouve, il va être bloqué comme un con. Marrant. Ça peut être une tactique, hein. Shoot pen. Le papier mâchouillé. Enfin, le crayon à papier mâchouillé. Je sais pas ce que c'est. On va tester. Chiant. La vie pue la merde. Quoi ? J'ai perdu un cœur ennemi sur ça, quoi. On va gamble pour avoir des cœurs rouges et que Dark Bum se serve. Oh, la déprime, quoi. Vas-y, je le fais tout de suite, j'ai la flemme d'aller farmer. Surtout que j'ai peut-être crevé. J'ai peut-être le regretté. Non. Mais quel con. On a accès à la challenge room du coup. Ok, ça augmente ma stat la plus basse. Les dégâts. Parfait. Faut que ça touche assez fort ces larmes là. Ok, on touche rien. C'est parfait. Oh oui, 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 ça aussi, ça, c'est les chats. Ah, les larmes qui font peur là. Oh, c'est chiant. Et on a gagné un dégât. Hein. C'est dire, c'est dire. Oh, le holy shot, faut que ça touche, c'est tellement fort. Je suis une merde. Ok. Quoi ? Mais oui, je vole pas ! Je vois rien. Ok. Saute.
Mais saute, putain. Je suis dégoûté parce que j'ai tout fait pour le sauver, ce build, quoi. Des bisous, YouTube.